Bonjour à vous YouTube et bienvenue sur la suite de Battlefield 1, le mode histoire. J'espère que vous allez bien. On est du coup, eh bien, nous avons survécu à cette attaque de but lancée par nous-mêmes. Incroyable, incroyable. Et puis, du coup, on doit sortir maintenant du char pour partir en éclaireur parce qu'il y a du brouillard. Donc, nous sommes armés de notre petit fusil et nous sommes en reconnaissance. Nettoyer les obstacles anti-char. Ah! Il faut que je regarde au sol, il faut que je regarde des trucs, il faut que je fasse. Ah, ok, d'accord, ça c'est pas vraiment de l'éclairage. Si je vais pas devant. Non. Il y a dans la boue évidemment, hein. Ça c'est pas drôle. Ok, c'est quoi ce bordel? Très bien. Ça va, ça me suit, ça me suit. Des obstacles anti-char, ça peut être quoi? Ça peut être des mines, ça peut être quoi? Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ça c'est pas. Non. Explorer le campement et repérer les ennemis pour connaître les plus graves menaces. Dès que le combat commence, vous devrez maintenir Bess en état. Ah oui. C'est chaud quand même. Il faut que je regarde un peu les positions ennemies. Ah ouais, genre ça. Je le bute ou quoi? Oh putain. Oh putain, il m'a vu lui. LOL, il m'a tellement vu 20 fois, je suis trop connard. Il était juste là, tu sais. Je suis vraiment débile. Hein. Bon, je vais récupérer son arme, hein, ce sera ça de mieux. Moi, la discrétion, ça fait 10. Hein. Oh bordel, il jette une... Mais ils ont aucun respect ces putains de boches. Ah oui, on est sur l'arme tout partout là. Ils doivent pas approcher de Death. Ouais, bah attends, mais... Oh putain, il est dirigé sur moi. Le mec, il a trouvé son canon, il a dirigé sur moi la zone, tiens. Enfin, je vais y aller comme ça. Putain, je voulais poignarder. Non! Non, je suis mort! Je voulais le baïonnetter là, ça a pas marché! T'es sérieux? Je suis vraiment une grosse merde, hein! Ben voilà, c'est la fin du mode histoire, j'espère qu'il vous a plu, c'était cool, hein! C'est bien amusé! Putain, mais je suis vraiment nul! Du coup, je sais qu'il n'y a pas de mine! Alors! Ah, je pense que ça va être dur! J'ai mis le jeu en moyen, je crois! Donc il y a de fortes chances que je sois très nul parce que je suis très nul. Ah j'ai une pelle. J'ai même pas un couteau sur moi, j'ai une pelle. Merde, remets le combat. What? Il faut que j'attende qu'il arrive. Je crois. Ou alors je suis parti dans l'autre sens. Ah je suis parti dans le mauvais sens, c'est ça. C'est ça, je suis un connard. Je suis parti dans le mauvais sens. On voit nos jambes. C'est tellement rare dans les jeux vidéo qu'on voit nos jambes. Je suis un être humain constitué normalement. Ouais, pardon. Je me suis peut-être... Ouais, je me suis trompé de temps, je suis désolé. Hein. salut. Fallait pas croire que je désertais. Hein. Non. Je suis vraiment... Non, je suis vraiment désolé. Bon. Coup de pelle, qu'est-ce que tu vas faire? Bon. Du coup, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. En fait, je sais pas s'il faut que je les tue. Ou s'il faut juste que je reconnaisse... Enfin, que je fasse une reconnaissance. Pas du tout ce que je dois faire en fait, si je dois la jouer à infiltration ou... Parce qu'il y aura beaucoup de pelles dans sa gueule mais ça va faire du bruit non? Je lui ai vraiment mis un coup de pelle quoi. Ah ça c'est bien ça. C'est plus efficace ça. Mec, il est pas rechargé quoi. Putain, c'est quoi ces. C'est quoi ces amateurs? Je suis censé faire quoi maintenant? Sinon, il y aura toujours à Pokémon Showdown. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, il y a un mec là-bas qui a cru qu'il voyait quelque chose, mais en fait non. Ah, mais en fait si. Mais en fait non. Mais en fait si, mais en fait non. Comment faire diversion?
Ah non, tu me vois pas, je suis derrière un arbre. Ah, tu me vois pas, je suis derrière un arbre. Ah, tu me vois pas, je suis derrière un arbre. Mais sinon, j'y vais à la zone, non? Je sais pas tout, je t'ai tué en mode fufu, hein. C'est la guerre, hein. Je sais pas quoi faire en fait. Je pense que je suis le mec le moins discret au monde. Je pense qu'ils savent. Je suis vraiment pas sûr, mais je pense qu'ils savent. Je pense qu'ils ont, conscience de mon existence. Oh bordel de cul! Foncez les gens, foncez avec le tank là, allez-y! Aïe 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 aïe, j'ai mal! Je vous prends des gens, ça me dévance, c'est violent. Attends, mais je sais pas ce que c'est comme jeu. Allez-y, foncez! Je sais faire quoi là? Je vais crever putain! Je vais crever chef! Chef! Ils sont où les méchants? Je les vois pas! Chef, ça me tire dessus, je sais pas où c'est! Putain, je sais pas, je vois pas où ils sont. Oh, j'ai plus de balles, bah oui, évidemment. J'ai plus de 15 balles, bah oui, ça c'est pas drôle. Je trouve un moyen de me cacher. Est-ce que c'est bien le bon endroit là? Putain, bordel de merde. Ah putain, je l'ai vu, ça y est, je le vois, chef, je le vois. Je l'ai eu! Mais attendez, je peux pas tout faire! Putain, mais oui, il va se faire détruire. Faut que je le répare, non? Ça le répare pas du tout, là. Edward, je te répare! Voilà, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites, imbécile? Vous ne voyez pas qu'ils attaquent le char? Ce sont ces Allemands dont vous êtes censé vous occuper! Mais je répare, monsieur! Je sais pas quoi faire, monsieur, je vous jure! Ouvrir la caisse d'armes. Récupérer fil de bombe. Les bombes à fil de temps déploient un piège au sol, ok. Attendez! Je suis censé faire pareil là, mais vous avez bien vu que j'étais nul, envoyez quelqu'un d'autre! Faites pas les cons, putain! Les mecs ils voient que je suis une grosse merde mais non, ils s'en battent les couilles. Je passe par où là? Je vais par là du coup, hein, ok? Apparemment ils s'en foutent. Ah merde. Mais je vois rien avec ce brouillard de merde là. Ah mais d'accord, j'ai... Mais ça je peux le jeter, je m'en vais avec. Oh merde, j'ai changé ma petite arme. Oh putain, ça veut dire que j'ai plus que 7 balles, 8 balles. Oh putain, j'ai jeté ma petite arme, mais quel connard! Bon là, il y en a que 2, mais ils se regardent. Ah, ça bouge. Doucement. On y va doucement, d'accord. En douceur. En douceur. En douceur. Il est où l'autre? Parti où l'autre? Ok, je le vois là-bas. La pelle.
Récupérer pioche. Mais je prends! La pioche est une arme de corps à corps meurtrière. Ok, c'est bien la pioche. Caisse d'armes. C'est quoi ça? Ah, ça a l'air mieux que ce que j'ai. Ah, déjà plus de munitions, c'est bien. J'aime. Ok. Là, c'est quoi? Grenade à manche. Ah, je prends ça aussi, c'est bien. Ok. Merci pour les bonnes astuces. Oh putain, cette arme, quoi. Y'a plus personne là, non? On est d'accord? Faut que je fasse quoi? Je vais faire le tour. Et là, c'est la route, je crois. Oh, mais je sais pas où je suis censé aller et pas aller, en fait. Et où est-ce que le chat, il me suit ou pas? Pourquoi je lisse? Ok, alors là, il y a un mec là-bas. Il y en a deux. Là-bas, il y en a un. Ah, ok, bon. Là, il y en a deux qui discutent. Ah bah il est tout seul. Par contre il me voit là non? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de l'avoir lui, il est tout seul là. Doucement. Du coup je vais donner un coup de pioche ou ça se passe comment? Putain la discrétion d'un homme. Ok, il y a lui là-bas, mais il a rien vu, il est trop court. Qui parle? Putain, c'est tellement chaud! Eh, salut coucou, comment ça va? J'avais pas vu que t'étais là sur le chat, ça va? Ça fait longtemps que t'avais pas venu. Putain, là c'est chaud là. Là il y en a un là. En fait le problème c'est que je sens que je vais les. Je crois qu'il y en avait un deuxième mais je peux oublier. Ah il est barbelé. Ok je passe en dessous. Tu joues des FPS depuis quand? Pas depuis longtemps. Bah alors on regarde pas YouTube ni les lives. Putain, mais il faudra un silencieux là, certainement bien. Parce que là, lui, je peux pas tirer quoi. En même temps, lui, il va me spotter à 10 000 km quoi. Voilà, voilà, clairement. Je peux pas passer devant comme ça à la zub. Je regarde YouTube, bah alors. Putain, comment je fais? Est-ce que je passe devant comme ça, il va pas me voir ou il va me voir? Sinon je vais pas passer là. Putain il bouge. Oh putain il bouge. Couché. Putain le con. Oh le con. Ah t'es con. Putain ça m'avait dit que c'était un jeu d'infiltration. Bonjour. Il faut que je détruise ça. Je sais pas ce que je dois faire en fait. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. J'ai un espèce de point sur la carte là, mais je sais pas si c'est au-dessus, en dessous, devant, derrière. Je ne vois absolument rien là. Ouvrez la caisse d'armes. C'est quoi ça? Ah oui donc. Ça a l'air fort intéressant comme arme ça. Pas du tout discret. C'est quoi ça? Ouvrir caisse. Mais c'est génial. Récupérer le manuel de terrain. Récupérer le manuel de terrain pour débloquer les entrées du codex et modifications utilisées en multijoueur. Ah, bien. Nerval, l'homme le plus discret du monde. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, je comprends pas ce que je suis censé faire. En fait, je crois que c'est à partir du moment où je suis découvert le temps qui arrive. Mais du coup, il faut que j'essaie de tuer le maximum de gens. Est-ce que j'aurais pas la position des ennemis? Non. Ah, si, y en a un là. Ok. Est-ce qu'il est tout seul? Tu m'as pas vu? Je suis une feuille.
J'ai une feuille. J'ai une feuille. Tu vois pas? Bonjour, j'ai une feuille. Feuille. Oh putain, j'ai lancé une grenade. Mais quel con! Mais quel con, putain, mais... Minerva, mais t'es un débile! Discrétion! C'est toute ma vie, bonjour! Bonjour! La discrétion! Perdu un peu les Allemands, non? En fait, ça va, ils savent pas où je suis. J'ai mis la main. Wow! Ah putain, d'accord, t'es un vénère toi un peu. T'es un peu vénère toi, non? T'es un peu genre, t'as pris le canon, t'as cru que t'avais tué un homme, quoi. Ça va la violence du type? Je suis une feuille, moi. Ça pourrait plus faire ça, en fait, je tue tout le monde. Les mecs, c'est bon, j'ai dégagé la voie, je suis un beau gosse. En vrai, j'ai géré, non? Vous en pensez quoi? J'ai géré ou pas? Ouais, ouais. Putain. Le mec, il branle rien. J'ai une grenade. Alors ça, c'était génial, les gars. Le coup de la grenade, là, c'était... C'était parfait. Je peux plus poser. Putain, c'est bien, ça. Oh, 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 j'aime, c'est discret. Oh, c'est fin. Ah, j'aime, c'est fin. Oh oui. Ah, la finesse. Moi, je suis bien fort comme ça, j'adore. Combien il reste de balles là-dessus? Pas beaucoup. Mais ça pue la merde, ça. Allez, on avance, les gros. Bah, avance. Il va me donner des ordres. Faites attention à vous, on va s'occuper de ça. Allez, vas-y. Faites pas comme si c'était moi qui faisais tout depuis le début, hein. Bande de PNJ inutiles. Moi aussi je voulais grimper. Oh! Oh! Je ne vois rien! Edward, passez devant et guidez-nous! Et ne vous éloignez pas trop! Je suis avec toi, frère! Vas-y! Vas-y, on y va! Calamis! Vous avez réussi à nous amener ici, Edward! Ouais! Continuez jusqu'à ce que nous soyons sortis de ces bois! D'accord, du coup je dois descendre, c'est ça? Ah ouais! T'es pas un rigolo, toi! T'es pas là pour plaisanter un peu, hein! Ah, t'es vachement vide à l'intérieur. Bon, moi j'y vais. Mec, ils avaient un tank, ils sont même pas allés, son con. Ouais, mais tu vois, ils peuvent pas prendre le. Tu vois, ils peuvent pas y aller, quoi. C'est compliqué pour eux. Non, mais ça, je respecte. Je respecte. T'en as qui se fout, je vois Botfish, je croyais que t'aimais le Call of Duty, tu me déçois. Ah ouais, mais écoute. Voilà, quoi. Franchement, j'hésite à y aller à la zeub. Hein. Les discrétions, je déteste ça. Dans Assassin's Creed, déjà, j'adore Assassin's Creed, hein, mais je suis absolument pas discret. Hein. Genre, j'arrive et tout, je détruis tout le monde. Alors là, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai pas envie de me faire chier. Oh! Tu me vois pas, t'es un peu con, hein. Meurs! Oh, je l'ai regardé dans les yeux. Silence! C'est une faille. Est-ce qu'ils spotent les corps? Bonjour. Bah évidemment ils sont sur la tourelle, ça c'était sûr. Putain, mais ils me tirent vraiment dessus avec les obus, quoi. Putain, mais saute. Bon, venez m'aider les gens là. Oh bordel, on va passer à l'armée. Oh, what the fuck? Allez, le tank, on fait le taf. Mais non, ils vont pas vous avoir. Je vous répare, moi. Vous êtes réparable. Vous êtes réparable. Enfin, je crois. Vous n'êtes pas réparable. Bon, ça va exploser. Je peux rien faire. Je sais pas quoi faire.
il était là, enculé. Il était là. Putain, fais chier. Ah, c'est dur, sa mère. Putain, ça me saoule. Bon, cette fois j'y vais discret, j'ai compris, ça va. Bon, je sais qui je veux tuer, enfin, je veux tuer les mecs qui sont... Putain, j'ai jeté une grenade, mais je suis vraiment un connard, hein. Pourquoi elle explose pas? Pourquoi ma grenade elle a pas explosé? C'est bizarre. T'as rien vu, toi? T'as cru quoi? On va prendre ça, c'est très bien. C'est bien pour la guerre. Ça. Putain, ça me saoule, allez. Il va là. Il est où l'autre? Toi! Tu m'as pas vu, toi, je suis pas vu. En fait, faut que j'aille direct là-bas. Ah! Dynamite. Pas mal la dynamite, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien la dynamite ou pas? J'ai envie de lui mettre une balle là, mais. Bien placé. Ensuite lui, boum, boum. Mais si on peut le contourner peut-être, hein. Sinon je prends ça. Et je le déhulerai. Bon, j'ai envie de tester un truc. Bah oui! Bah oui, tu meurs pas! Bah oui, c'est. Bah, une balle dans la tête, c'est quoi après tout, hein? C'est quoi une balle dans la tête en 2016, hein? Enfin, en 1918? Putain. Ah, mais c'est ça qui tire en fait. Je comprends pas ce qu'il tire dessus. Je comprends pas ce qu'il tire dessus. Je ne comprends pas ce qui me tient dessus. Je crois que je suis dans la merde. J'ai encore fait une bêtise. Qu'est-ce qui tire? Ah, c'est là-bas. Enculé! Oh. J'suis ultra vénère! Venez là, les moches. Viens là! Tiens! C'est bon? Voilà. Comme papa dans maman. Ha! C'était facile quand même. Hein. Franchement, on touche tout ce fromage pour ça, vous abusez. Hein. Vous auriez pu passer tranquille. Hein. C'est bon, c'est terminé, j'espère. Bah oui, une balle dans la tête, c'est rien ça. Bah oui! Évidemment! Prends une balle dans la tête, mais non, mais j'ai un casque en fer, ça passe et tout, putain! Non, tu vas pas me dire qu'il faut encore que j'aille faire le. Qu'est-ce que tu... la carte, on devrait bientôt être sorti de cette satanée forêt. Je m'en bats les couilles de ta carte. On doit d'abord traverser le pont qui est ici, et ensuite ça ne devrait plus être long. J'entends. Sur le pont, les Allemands. Bah, pourquoi vous me faites pas rentrer? Mais putain, mais faites-moi rentrer dans le char, quoi. Je sais faire quoi là? Je pensais faire quoi? Contourne. J'ai plus de munitions, je recharge. Mais le blindage va lâcher, mais vous avez foncé dessus comme des connards aussi. C'est pas ma faute. Putain, les mecs, quoi. Qu'est-ce que vous foutez? C'est des fous, putain, ils sont fous, je te jure. Oh putain! Ça, c'est pour moi ça. Je vais remplacer mes deux armes, hein. Parce que c'est bien quand c'est. J'aime bien quand c'est bien. Bien neuf. Il y a un homme en poste droit devant. Et il semble qu'ils soient préparés pour accueillir Bess. On va attirer leur tir. Contournez-les et attaquez par derrière. Je peux plus vous réparer, moi en fait. J'ai plus de trucs de réparation. C'est ça? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Oh, d'accord.
Au pire, j'y vais comme ça, moi je m'en bats les couilles. Un petit véhicule conçu pour passer le barrage de lourde distance. Ah, ok. Donc, d'accord. Je vais par où, moi? Je peux plus vous réparer, j'ai perdu mon outil, je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai remplacé avec une arme, je crois. Mais en fait, ça, je m'en balèque, je pense. Comme ça, plutôt. Ah! Ça me plaît bien, ça. Elle aime bien, ça, moi. Je peux vraiment plus vous réparer, pourquoi? Parce que je crois que j'ai chopé ça et du coup ça me sert à rien. Putain, je me fais tirer dessus. Je rigole pas, je me fais tirer dessus. Ah putain. Attention à tout mon entraînement sur Battlefield 4. Là, c'est maintenant qu'il se joue. Mais oui, c'est quoi une balle dans la tête après tout? Oh putain, il a pris le temps. Putain, mais ça m'énerve ça, les gens qui se prennent des balles dans la tête et qui crevent pas. Putain, mais c'est vrai, là, non. Du coup, on va die, hein. Je vais mourir, clairement. Enfin, le char, il va péter. Moi, je vais mourir, là. Bonne chance, les gars. Bon courage. En fait, j'aurais dû garder mon avant-char, je vais comprendre à quoi il servait. C'est bon, tout va bien, tout va bien, tout se passe bien, tout se passe bien, tout est normal, tout est parfaitement normal, tout va bien. Je vais aller dans les bunkers, je vais foncer dessus, je vais les défoncer. Alors, on est sniper ? C'est toi qui me tirais dessus tout à l'heure. Ah ouais, tu fais quoi là? Hein, tu fais quoi? Ah ouais, tu veux quoi toi? Tu veux jouer à quoi? J'ai un sniper moi. Moi je suis un tireur d'élite mon gars. Ils sont un peu courts, non, les Allemands, on est d'accord. Il avance plus le char. Comment je rentre là-dedans? Je vais rentrer là-dedans. J'aimerais rentrer dans ce bâtiment. Aïe, 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 les barbelés. Oh bordel de cul! Oh bordel de cul! Oh, 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 oh. Comment les mecs ils m'ont pas vu? Comment les mecs ils m'ont pas vu à la base? Putain, j'en peux plus. Faut que je change cette arme, elle me sert à rien là où je suis. En fait, faut que je les empêche d'aller sur les. Sur les trucs anti, anti-chat. Non, tu vas pas! T'es puni! Sur quoi ils tirent? C'est horrible. En fait, je suis dans une ligne ennemie. Je suis pas du tout censé être là en fait. Mais écoutez, je vais aller dans tous les bunkers possibles. Mais attends, il y a pas d'ennemis, on est d'accord. Ouvrir caisse. Les documents. Ah. Ah, des bonus. Est-ce que ça c'est toujours ennemi ou pas? Bon, apparemment c'est vide. C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi le char n'avance pas? En fait, j'ai un point sur la carte à l'intérieur de ce bâtiment, mais je sais pas à quoi ça correspond. Genre là, j'ai un point ici. C'est quoi? C'est une arme? C'est. Je sais pas ce que c'est. Bon, là, voilà. Là, je suis sur le point de la carte là. Mais je sais pas à quoi ça me sert. Les armes, j'en ai trouvé, mais des tonnes quoi. Eh, hey, salut ciel, bienvenue, bisous. J'avais pas vu que t'étais là. Bon, je vais retourner au char là pour les aider, je sais pas. C'est bizarre, non? Pourquoi vous avancez plus? C'est quoi le problème?
La voie est libre. Putain, j'ai bugué le jeu. J'ai fait bugger le jeu, je rigole pas. Hein. Je peux plus vous réparer les mecs, j'ai plus de machin là, j'ai plus de mon truc. Vous attendez quoi? Je comprends pas ce que je dois faire. Je suis sérieux, je comprends pas ce que je dois faire. Je vais détruire le temple. Bah écoutez, je vais vous détruire, ça vous dérange pas. Je me demande si je veux pas que je détruise ça. Je sais pas ce que je dois faire. Il y a plus d'ennemis, mais le tank allié avance plus. Je crois que j'ai hacké le jeu. Je crois que j'ai niqué le jeu, non? Il y a plus d'ennemis, je les ai... Non? Il y a des coups dans le pâté, il y a un truc que j'ai pas vu là. Que ça c'est des points d'armes, mais on s'en fout. Mais je crois qu'il faut que je répare le véhicule, mais j'ai dû jeter mon truc pour le réparer. Et je crois que je l'ai plus, on est d'accord. Oh, attendez, je sais ce qu'on va faire. En fait, il faut que j'utilise mes trucs que j'ai en trop. On va faire péter ce truc. Je sais pas ce que je fais. Ok! Explosion! Waouh! C'était vachement efficace. YouTube! Bonjour à vous! Enfin, normalement, ça sera accroché à la vidéo que vous avez vue avant. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On a réussi à terminer le niveau. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, je vais pas remettre le jeu parce qu'en fait, du coup, c'est la boîte de dialogue de la fin et je pense que c'est la fin du niveau. Bref, il y avait un tank qui était en dehors de la zone du jeu. Vous savez, là, quand vous sortez de la zone du jeu, ça fait ça, 1, 4, 3, 2, 1, pour vous revenez. Il y avait un tank ennemi qui était en dehors de cette zone du jeu, qui était coincé et qui n'arrivait pas à rentrer dans la zone du jeu. Je l'ai trouvé complètement par hasard. Il s'est débloqué, on l'a détruit. Là, il y a 1 million d'ennemis qui sont arrivés avec des tanks de partout. Sauf que moi, comme un connard, vous avez vu que dans la vidéo d'avant, j'ai utilisé tous les trucs anti-char parce que j'ai balancé ça à la zone n'importe où. Donc du coup, j'avais plus rien, j'étais tout nu. Donc j'ai dû me démerder pour te détruire. Et là, on a réussi. Et là, le mec, il est en mode, ouais, c'est bon, tu peux rentrer dans le tank. Je suis encore déçu. Mais fils de pute. Et j'ai retrouvé une clé à molette, au fait. Dans la panique générale, j'ai retrouvé la clé à molette. Et là, il me dit de rentrer dans le char. Mais sérieux? Non, Siri, qu'est-ce que tu fais? C'est un truc de fou, non? C'est un truc de fou ce qui m'est arrivé. Non, mais je suis dingue de ne pas avoir record parce que du coup, voilà. Bon, bref, YouTube, c'était un petit message pour un petit truc pour vous dire ça. On va quand même regarder la cinématique d'après, qui fera la vraie fin de l'épisode. Ah ben il est... Alors Edouard, c'est quoi? C'est ma bite. Vous devez localiser le village. Il est malin pour notre chef. Alors vous voyez le village? Oui. Oui, je le vois. Et dites-moi si vous voyez nos chars. Est-ce que vous voyez nos chars là-bas? C'est pas nos chars, je crois. Edward. Oui. Mais ce ne sont plus les nôtres maintenant. Génial. On dirait que pour le réparer, on va devoir aller dans ce village. Ça promet une chouette aventure. En route. En route. Bonne chance. Putain, je dois ressortir. Ah là, ça va être encore de l'infiltration de ouf. Ce sera mort avant l'aube et le char bougera pas. C'est foutu. Quoi? Vous voulez qu'on abandonne la mission? C'est pourtant clair. Finch, Pritchard, nous tous. Tout le monde s'est fait avoir. Si c'est ce que vous voulez, McManus, foutez le camp. Je vous interdis de me parler comme ça. J'ai plus de missions à mon actif que vous n'en aurez jamais. Foutez-nous la paix. Putain, déserteur de merde.
Moi, je suis un vrai bonhomme, moi. Bon. Bah du coup, YouTube, on fait des bisous. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. C'est la vraie fin du coup. Des bisous à vous YouTube. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure Battlefield. Qui promet d'être riche en bugs, hein. J'adore. Salut!